Si algo te caracteriza a ti es que siempre has marcado muchos goles, tanto en casa como fuera de casa, incluso fuera de casa más, que es más importante. Y esta temporada, creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. ¿Por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera? Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. ¿No tienes? Sí. Sí, dice, se c'è qualcosa che ti contraddistingue, che tu hai sempre Bueno, segnato, gracias. che sempre hai segnato moltissimi gol, sia in casa che fuori casa, anzi fuori casa addirittura di più. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, en ce cas pour une nouvelle vidéo la famille. Aujourd'hui, vidéo analyse de l'événement Rift Tour qui était hier. Donc vraiment, vous allez voir que vous avez pas toutes les refs, je pense pas. Vous avez des... Je vais vous apprendre des choses sur l'événement que vous avez loupé sûrement. Donc bref, avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On n'oublie pas le code créateur Nanas dans la boutique. Et aujourd'hui, avant de passer à l'analyse de l'événement, on va parler de Loot Boy. Loot Boy, les gars, vous connaissez, ça vous permet d'acheter des packs de vos jeux préférés, que ce soit Fall Guys, que ce soit Fortnite. Donc vous pouvez acheter des packs soit avec de l'argent réel, soit avec des diamants. Pour avoir des diamants, c'est super simple. Il suffit de faire des quêtes que vont vous donner Loot Boy et quand vous les avez faites, ça vous donne les diamants. Donc de base, dans les packs Fortnite, vous pouvez gagner des V-Bucks, de 1000 V-Bucks jusqu'à 13500 V-Bucks. Vous pouvez gagner des packs de skins, etc. Sauf que là, avec l'événement Rift Tour, ils ont augmenté et ils ont mis des nouvelles récompenses. Ils ont mis déjà le skin Ariana Grande, donc vous pouvez le gagner. Mais en plus, ils ont mis une enceinte JBL, donc il y en a une à faire gagner. Donc du coup, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur une enceinte JBL. Mais aussi, en fait, vous pouvez gagner un CD dédicacé par Ariana Grande. Il y en a qu'un, c'est un vrai. C'est une vraie signature, il n'y en a que un. Voilà, donc si vous avez de la chance, vous pouvez avoir un truc vraiment de malade. Ok, du coup les gars, c'est parti. On va ouvrir les 10 packs. Enfin ouais, les 10 packs et j'espère avoir de la chance. C'est parti. Ok, ça commence mal. Ça commence très mal. Allez, le prochain, c'est parti. J'espère avoir un truc. Toujours rien, on continue. On ne désespère pas. On ne désespère pas. Ok, là pour l'instant, j'ai rien eu non plus. S'il te plaît, tu peux, je peux avoir une récompense, s'il vous plaît. Toujours pas. Je vais pas rien avoir. Je vais pas rien avoir, s'il vous plaît. J'ai eu trois diamants, ça c'est cool. Non les gars, là c'est plus possible. Là c'est le truc de fou. Cette fois-ci, j'ai rien eu. Je suis dégoûté. J'ai rien eu. Voilà. Ben, ça arrive. On peut pas gagner à tous les coups. J'avais trop de chance. J'étais sur une série de malades. J'ai rien eu. Donc, du coup, les liens pour installer Loot Boy et surtout le code promo sont dans la description et en commentaire épinglé. Je vous rappelle pour ceux qui sont sur iOS que pour mettre le code, il faut le mettre sur le site web. Ça marchera pas avec l'application. Et aussi pour les joueurs Nintendo, il y a des nouveaux packs Nintendo. Donc, vous pouvez aussi, vous aussi, participer. Sans plus tarder, les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc déjà je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à l'événement hier avec moi en live. Je devais pas live à la base, j'étais un peu dégoûté, mais je pouvais pas live à la base parce que j'avais une code merde. Finalement j'ai acheté un câble au dernier moment, etc. Finalement j'ai pu live. Donc le live s'est super bien passé, il y a eu zéro bug. C'était vraiment cool, ça m'a fait plaisir de vous retrouver en live. Et vraiment c'était trop bien, on est monté à 14 000 viewers, je crois, un truc comme ça. C'était un truc de malade. Donc vraiment je vous remercie tous ceux qui étaient là. Si vous étiez là, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc du coup, l'événement, le but de l'event en fait, c'était que les aliens ont scanné notre esprit pour savoir ce qui s'est passé sur l'île à l'époque, et aussi peut-être pour chercher un truc. Donc ça, ça a été confirmé par Donald Mustard avant l'événement. Donc bien évidemment, moi j'avais fait une théorie, donc par rapport à l'événement, on en parle à la fin de la vidéo, parce que je dois vraiment remettre des gens en place. Donc du coup, à la fin de la vidéo, on parlera de ma théorie. Donc l'événement, il a commencé par ce qui s'appelle, dans les fichiers du jeu, le couloir des souvenirs. Donc en fait, on a eu des images en fait de plein d'événements qui sont déjà passés dans le chapitre 1. Donc on a vu l'événement de l'île du cube, donc quand elle est sortie. On a eu l'événement le monstre contre le robot, la cinématique de la saison X quand Pili fait une emote à Jonesy, l'événement du volcan, l'événement du roi de la tempête, l'événement Butterfly, l'événement de la fusée et le cube.
Sauf que, il y avait un détail qu'il fallait voir, moi je l'ai pas capté. Donc si vous l'avez pas capté, c'est normal, ne dites pas que vous l'avez capté alors que c'était très compliqué à voir. Mais en fait, tout le monde l'a capté quand Apex l'a dit sur Twitter. Mais en fait, l'image du cube, c'était pas une image du cube à chapitre 1, c'était une image du cube chapitre 2. Donc en fait, on a eu l'image en HD, et en fait du coup, c'est à cet endroit-là. Donc en fait, je vous montre l'endroit où c'est en chapitre 2, c'est en fait à côté de la station météo sur Fortnite, si je me trompe pas. Donc du coup, le cube va soit revenir pas loin d'ici, ou soit va passer par là quand il sera revenu. Donc en fait c'était une image non pas du passé mais du futur. Et en plus c'était la dernière image qu'on a vue je crois. Donc comment ça se fait que les aliens ont pu voir ce qui va se passer dans le futur? J'en ai aucune idée, j'ai vraiment pas compris. Mais en fait c'était voilà une image du futur. Donc le cube c'est confirmé, il va faire son retour cette saison. Ensuite le skin au fond du couloir changeait par rapport au skin que vous avez. Si vous aviez le skin Travis Scott, et bien en fait vous auriez vu votre skin Travis Scott en fait vous faire rentrer dans la bulle. Voilà. Donc après on a eu une partie surf où en fait on surfait et en fait il fallait choper des bulles et des petits wraps jaunes. Je sais pas c'était quoi le but, je sais pas s'il y avait un score, mais en tout cas voilà, donc c'était en fait une partie surf et c'était pas une ref ou quoi que ce soit, c'était juste une partie surf. Voilà. Ensuite on était sur le pelage de l'experte des câlins. On était vraiment au niveau microscope puisqu'en fait les arbres qu'on voyait c'était en fait les le plumage, enfin en fait les poils du skin experte des câlins. Donc on la voyait gigantesque et du coup en fait c'était vraiment trop beau, vraiment j'ai trop kiffé. Ensuite on s'est battu contre le roi de la tempête, donc c'était exactement une référence au combat que l'on fait contre lui dans Sauver le monde ou celui qu'on fait dans le Battle Royale, dans le mode de jeu qu'on avait. Il fallait faire exactement ce qu'on avait fait dans le Battle Royale, il fallait tirer sur les cristaux qu'il y a un peu partout de lui, et donc du coup c'est ça qui lui faisait mal. Ce que j'ai remarqué, c'est que en fait ça m'a rappelé l'événement Galactus, où en fait à un moment avec le bus de combat, on tirait sur des drones de Galactus, et en plus c'était le même viseur, c'était exactement le même viseur, donc si vous l'aviez pas remarqué, voilà c'est exactement le même viseur, et ça m'a fait ça à l'événement Galactus. Ensuite, juste après ça, on a une scène qui m'a vraiment choqué pendant l'événement. C'était une scène que j'ai trouvée très mystérieuse, où en fait, on est au sol et qu'en fait, on se fait revive par quelqu'un. Et nous aussi, on doit revive quelqu'un. Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai pas pigé ce qu'il fallait faire. Mais en fait, voilà, il fallait en fait revive quelqu'un. Et en fait, ça, c'était malheureusement, c'était un hommage à un tragique événement qui s'est passé pendant un concert d'Ariana Grande. En fait, c'était en 2017. Et en 2017, Ariana Grande faisait un concert à Manchester. Et à la fin du concert, il y a eu un attentat. Donc du coup, c'était un hommage à ça, aux victimes de cet attentat et donc du coup c'était magnifique. Pour ceux qui ont eu la rêve sur le moment, franchement ça devait être vraiment très émotionnel. Moi sur le coup j'étais pas au courant, mais en fait c'était une référence à ce tragique événement de Ariana Grande après son concert. Donc juste après on a l'arrivée d'Ariana Grande, et Ariana Grande, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle arrive comme Travis Scott. Travis Scott était venu avec une sorte d'étoile violette, et bien elle est venue avec une sorte d'étoile blanche. Voilà, donc c'était un peu la même chose. Et donc du coup quand elle arrive c'est magnifique, voilà, elle commence à chanter etc. Juste après on a un moment dans les nuages et on voit Ariana Grande au fond avec sur une balançoire qui est en train de se balancer. Ça c'est une référence directe à son clip Breath In. Donc c'est la musique Breath In, et en fait c'est une référence à son clip où en fait dans le clip on la voit se balancer sur une balançoire, exactement pareil. Donc du coup c'est une référence à ça et j'ai trouvé ça vraiment stylé. Ensuite juste après elle est dans une sorte on va dire d'Olympe, où en fait elle est voilà dans un truc divin et elle porte un marteau. Ça c'est une référence au clip God is a Woman, où en fait elle a le même marteau et en fait elle avance, elle bouge avec etc. Et là en fait elle avait le marteau et elle montait des marches, et nous en fait on prenait des portails pour la suivre. C'était magnifique. De toute façon visuellement l'événement était incroyable. Ensuite à la fin elle prend son marteau et en fait elle le lance et elle casse le plafond, et en fait on a atterri dans l'espace. Et bien en fait les gars, ça c'est une référence aussi au clip God is a Woman, puisqu'en fait à un moment elle lance son marteau en l'air et en fait elle casse la vitre d'un plafond en verre. Donc en fait c'est une référence directement à son clip. Voilà, donc fallait le remarquer, mais c'était une référence directe à son clip. Donc du coup après on était dans l'espace, et dans l'espace elle a fait son dernier single qui a tout pété. J'écoute pas du tout de Ariana Grande, mais cette musique tout le monde la connaît ou obligé vous l'avez déjà entendu. C'est la musique Position dans l'espace. Donc voilà, c'était cool, on la voyait se balader sur des morceaux de faille, et après à la fin elle essayait de récupérer son marteau. Quand elle l'a récupéré elle a frappé au sol, et donc du coup le portail tour est réapparu et on a été remis sur la map de Fortnite, et c'était la fin de l'événement. Donc voilà, c'était tout ce qu'il fallait voir sur l'événement. Je pense pas avoir loupé de choses. Si j'ai loupé un truc, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais normalement, j'ai toutes les refs. Maintenant, on va parler de ma théorie. J'avais fait une théorie sur l'événement. J'avais fait voilà, une théorie qui s'appelle le secret du Rift Tour. Et il y en a beaucoup qui, après l'événement, en fait, on dit n'importe quoi.
Moi, dans ma théorie, j'ai dit que les aliens allaient scanner notre esprit pour en fait trouver le cube. Et qu'on allait rentrer dans les souvenirs de Ramirez, puisque c'était elle qui était en lien avec le roi de la tempête, qui était en lien avec le skin experte des Kalengs, et qui aussi était celle qu'on voyait dans la version officielle, dans la bande-annonce officielle de l'événement Rift Tour. Donc les aliens vont ouvrir ce portail en plein milieu de la map de Fortnite. Ce portail en fait va faire comme une sorte de recherche et va rechercher en fait des traces du cube. Et c'est quand nous qui sommes le boucleur, qui est en fait Terreur Fluo, qu'on va rentrer dans ce portail, que le portail va se connecter à la conscience de Terreur Fluo. Et en fait le portail va faire apparaître les souvenirs de Terreur Fluo, et c'est comme ça qu'on va voir le roi de la tempête. Finalement en fait c'était pas les souvenirs de Ramirez, ni de Terreur Fluo, ni de Terreur Sombre, c'était les souvenirs de tout le monde en fait, de l'île, c'était les souvenirs de l'île entière, donc du coup c'était pas les souvenirs de Ramirez. Mais sinon, j'avais raison, surtout. Et c'est Donald Mustard qui le dit. Moi, il y a quelques jours, j'ai dit que les aliens allaient scanner notre esprit pour trouver le cube. Donald Mustard a dit que l'événement était en fait les aliens qui scannaient notre esprit pour savoir ce qui s'est passé avant qu'ils soient arrivés, et surtout pour justement peut-être trouver quelque chose. Donc du coup, j'avais raison. J'ai dit qu'on allait rentrer dans des souvenirs. On a vu des souvenirs de tout le chapitre 1. La seule chose sur laquelle je me suis trompé, c'est que c'était pas les souvenirs de Terreur Fluo ni de Ramirez, etc. C'était les souvenirs de tout le monde. Donc j'ai donné 90% de l'événement 3-4 jours avant l'événement. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, je vous donne un exemple. C'est comme si un mec, vous arrivez sur Fortnite, c'est la saison 1, chapitre 1. C'est le tout début de Fortnite. Il y a un mec qui vient te voir et qui te dit, en saison 5, chapitre 1, il y a un cube qui va arriver sur la map et il sera vert. Et finalement, le cube arrive en saison 5, mais il n'est pas vert, il est violet. Il a raison ou il a tort? Il a raison. C'est juste qu'il s'est trompé sur la couleur. Ben, c'est exactement la même chose avec ma théorie. J'ai dit qu'en fait l'événement c'était en fait un truc camouflé des aliens, et qu'en fait les aliens pendant l'événement allaient scanner notre esprit pour trouver le cube. Finalement les aliens ont scanné notre esprit pour savoir ce qui s'est passé avant qu'ils arrivent, et surtout peut-être pour trouver quelque chose. J'avais raison, ils ont scanné notre esprit. J'ai dit qu'on allait rentrer dans des souvenirs, on est rentré dans des souvenirs. On a vu des souvenirs de tout le chapitre 1. La seule chose sur laquelle je me suis trompé, c'est que on n'était pas dans les souvenirs de Terreur Fluo, etc. On était dans les souvenirs de tout le monde. Mais d'ailleurs, dans la version officielle de la bande-annonce, Fortnite ont bien pris le skin Terreur Fluo. Pas pour rien. Donc bref, j'avais raison à 90%. Je me suis trompé sur 10% de ma théorie. Et en fait, il y a des rageux qui disent que je me suis trompé entièrement, alors que j'avais raison sur toute la ligne, pratiquement. Donc là, si vous dites que j'ai tort sur ma théorie, vous êtes soit de mauvaise foi, ou soit vous êtes un rageux qui est jaloux que j'ai deviné 90% de l'événement. Donc maintenant, on va faire un truc. Trouvez-moi une seule personne en France qui a fait une vidéo où il a deviné que les aliens allaient scanner notre esprit pendant l'événement, et qu'on allait rentrer dans des souvenirs. Sortez-moi en juste un seul. Vous en avez pas. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Je me devais de remettre en place des gens qui disent que j'ai tort alors que j'avais raison sur ma théorie à 90%. Voilà, parce que c'est des petits rageux, voilà, qui sont pas contents que la team Nanas arrive à deviner les choses à l'avance. Ils peuvent pas le prendre en compte et donc du coup ils ont un peu la haine, mais c'est pas grave, ça fait bien, c'est que c'est cool, c'est cool. Donc la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. En tout cas, bien évidemment les gars, pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.